Bienvenue à l'émission Le Dieu du Seigneur sur la chaîne préférée Aminata 24 TV, votre humble serviteur, pasteur Ménignan. Comme thème ce jour, les malédictions. Chers amis, les malédictions sont réelles et ne sont pas juste des imaginations de l'homme. Elles sont réelles, tellement réelles que les gens souffrent. Elles sont pratiques. Les malédictions sont des forces dans le monde invisible et ont le pouvoir de produire le mal. C'est pour cela que beaucoup de jeunes filles, de personnes n'arrivent pas à se marier, n'arrivent même pas à travailler parce qu'ils sont sur la malédiction familiale, sur les liens de famille. Ce thème, nous allons traiter aujourd'hui, en ce jour de dimanche, nous allons traiter ce thème-là, un thème très alléchant. Donc les malédictions familiales sont très, très, très difficiles dans la vie des familles. C'est pour cela qu'en tant que chrétien, on doit beaucoup traiter ce sujet-là. Je remarque que, n'est-ce pas, les jeunes gens qui ont des diplômes, n'arrivent pas à travailler parce qu'ils sont sous l'emprise du diable, sont sous l'emprise de l'ennemi. Des femmes très belles n'arrivent pas à se marier parce qu'elles sont sous l'emprise démoniaque. Tout ça, c'est les malédictions. Il faut, n'est-ce pas, prier pour ces personnes-là, pour ces personnes en retour de la délivrance. J'ai croisé une jeune femme très belle, très jolie, à l'âge de 55 ans, elle n'arrive pas à se marier. Elle dit, pasteur, c'est difficile pour moi parce que les hommes me prennent comme des chemises. Mais par la prière, Dieu a ôté la malédiction sur sa vie. Donc, chers amis, les malédictions sont réelles. Et c'est pour cela qu'il faut se donner à Jésus-Christ pour réellement être affranchi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. C'est vrai que certaines personnes sont mortes dans les hôpitaux parce que les médecins ne pouvaient pas localiser quel était le problème jusqu'à ce que la mort soit la mort ne vienne. Les médecins s'occupent à traiter les choses, alors quelque chose ronge l'homme jusqu'à ce que la mort survienne. Et c'est pour cela qu'il faut donner sa vie à Jésus. Les malédictions sont des sources dans nos familles. Les malédictions sont des sources très graves dans nos familles. Chrétiens, enfants de Dieu, les malédictions existent réellement. C'est pour cela qu'il faut s'attacher à Jésus-Christ, il faut s'attacher au Seigneur. Gloire à Dieu. Nous allons lire un passage biblique dans Marc 10, versets 46 à 53. Il arriva à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une grande foule le suivait. Alléluia. Il y avait un homme qui s'appelait Bartimée, fils de Timée, aveugle de naissance. Il descendit, il attendit que c'était Jésus de Nazareth. Jésus, aie pitié de moi, fils de David, aie pitié de moi. Il criait tellement fort. Jésus s'arrêta et dit, appelle-le. Il appela l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et levant. Ce livre d'un bon vient vers Jésus. Et Jésus lui dit, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Et l'aveugle lui dit, je veux voir clair. Alors je lui dis que ta foi t'a sauvé. On dit, à l'instant T, l'aveugle, n'est-ce pas, a vu clair. Cher ami, l'histoire d'une part d'une personne qu'on appelle Bartimée. Et Bartimée souffrait. Bartimée cherchait la solution à son problème. On a dit que Bartimée mendiait son pain à la surface de Jéricho. Bartimée était couvert d'un manteau de la pauvreté, d'un manteau de la pauvreté, un manteau de la sécheresse. Il était dans la ville de Jéricho et il cherchait comment faire, n'est-ce pas, pour avoir la solution à son problème. Il a entendu parler de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et lorsque Jésus est arrivé, il a crié, Fils de David, aie pitié de moi. Fille de David, aie pitié de moi. On dit, les gens le faisaient taire. Tais-toi, Bartimée. Bartimée criait toujours. Les gens méchants, les maplaos, les sorciers l'empêchaient, n'est-ce pas, de rentrer dans sa bénédiction. Alléluia. Alléluia. Et Jésus a dit, laissez-le venir. Et à l'instant T, Bartimée arrivé à Jésus. Il dit, Jésus, je vais être guéri. Alléluia. Jésus, je vais être guéri. Jésus, je vais voir clair. Et alors que Jésus a prié pour lui, on dit, l'aveugle a commencé à voir clair. Pour dire, cher ami, Jésus existe toujours. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il fait toujours des miracles.
Il fait toujours des miracles. Bartimée cherchait à croiser Jésus. Bartimée cherchait la délivrance. Toi aussi, tu peux être sous le manteau de la pauvreté. Tu peux être sous le manteau des humiliations. Tu peux être sous le manteau de la mendicité. Tu peux être sous le manteau du chômage. Tu peux être sous le manteau de la sorcellerie. Tu peux être dans le lien de la malédiction. Mais quand Jésus rentre dans ta vie, n'est-ce pas, il chante ta destinée. La Bible dit que Bartimée a enlevé son manteau. Et il a jeté son manteau. Il dit, d'un bond, il vient vers Jésus. Alléluia. Alléluia. Les mêmes personnes qui l'empêchaient, c'est les mêmes personnes qui l'ont attrapé à aller vers Jésus. Alléluia. Mon frère et ma soeur, les mêmes personnes qui ont empêché d'aller dans ta destinée, c'est les mêmes personnes qui vont, n'est-ce pas, te bénir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu est tellement bon pour nous, frères et sœurs. Dieu est tellement bon pour toi et pour moi. C'est pour cela qu'il faut donner sa vie à Jésus. Les liens de la malédiction nous suivent. Les liens de la pauvreté nous suivent. Les liens du célibat nous suivent. Les malédictions sont tellement grandes dans nos sociétés. Les gens souffrent. Le chômage est par-ci. Le chômage est par-là. La misère est par-là. Mais donne ta vie à Jésus. Il va enlever la malédiction de ta vie et te restaurer. Et te donner la vie. Les malédictions sont réelles. C'est pour cela qu'il faut accepter Jésus comme Seigneur, Sauveur personnel. Et il restaurera ta vie. La Bible dit que Christ est apparu pour détruire les yeux du diable. Christ est apparu pour détruire les yeux du diable. Toi qui m'écoutes, toi qui m'attends, je dis qu'il y a de l'espoir pour toi. Jésus veut t'affranchir. Jésus veut enlever le manteau de la malédiction, le manteau de la sorcellerie, le manteau de l'envoûtement, le manteau de la sorcellerie qui t'est fatiguée durant longtemps. Il y a longtemps, tu ne travailles pas malgré tes diplômes. Il y a longtemps, tu es là, tu n'arrives pas à te marier. Tout est bloqué pour toi. Il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour toi. Jésus est apparu pour détruire les âmes, les yeux du diable. Frères et sœurs, Dieu t'aime. Jésus peut en ôter la malédiction sur ta vie. De la manière il a sauvé, Bartimée, la veuve mendiant à la cité de Jéricho. Lui aussi, cherchait à croiser Jésus. Il a dit, fille de David, fille de David, aie pitié de moi. Toi aussi, mon frère, ma sœur, crie à Jésus, dis, fille de David, aie pitié de moi. Il y a longtemps, je ne travaille pas. J'ai longtemps, je n'allais pas me marier. J'ai longtemps, je n'allais pas avancer. Jésus, viens dans ma vie et change mon histoire. Jésus, viens dans ma vie et change mon image. Jésus, viens dans ma vie et change mon histoire. Mon frère, il y a de l'espoir pour toi. Ne t'abats pas. Tu vas travailler un jour. Tu vas te marier. Tu vas voyager. Et la vie sera belle pour toi. Quand Jésus va rentrer dans ta vie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu nous aime tous. Nous sommes tous ses enfants. Je l'ai dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, entre, je mangerai avec lui et je souperai avec lui. Jésus est à ta porte. Chrétien, enfant de Dieu, Jésus est là pour te sauver. Il va ôter en toi le manteau de la sorcellerie. Il va ôter en toi le manteau de la mendicité. Il va ôter en toi le manteau du chômage. Il va ôter en toi le manteau sale qui est ta vie. On dit, Bartimée, jeta son manteau. Alléluia. Bartimée, jeta son manteau. Et d'un bond, il vient vers Jésus. Malgré que les papatos, la passe mendie, les gens méchants l'empêchaient de rentrer dans sa destinée. Bartimée est rentré dans sa destinée. La Bible déclare que le royaume des cieux est forcé. Alléluia. Mais ce sont les violents qui ne s'en emparent. Le royaume des cieux est forcé. Mais ce sont les violents qui ne s'en emparent. Il écrit dans Éphésiens 6. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre les dominations, les principautés et les forces du mal. C'est pour ça, frère et sœur, mets-toi à la brèche. Mets-toi à la brèche. Prie le Seigneur pour que Dieu change ta destinée. Pour que Dieu change ta vie. Jésus a un plan pour toi. Jésus a un plan pour toi. Donne ta vie à Jésus-Christ. Lui qui est le Rédempteur. Lui qui est fort. Lui qui est puissant. Lui qui est le lion de la tribu de Judas. Jésus change notre histoire. Et Jésus nous bénit. Alléluia. 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 Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon, alléluia. Mon Dieu est bon, alléluia. Il m'a béni, alléluia. Il m'a sauvé, alléluia.
Il m'a béni, oh, alléluia. Mon Dieu est bon, alléluia. De la manière, comme je l'ai dit, dans Marc 10, verset 46 à 53, Bartimée a la liberté. Bartimée a été sauvé. Aujourd'hui, il peut se marier. Aujourd'hui, il peut travailler. Aujourd'hui, il peut aller de l'avant. Les malédictions familiales sont trop. Les blocages sont trop. Donne ta vie à Jésus pour enlever en toi ce manteau de la pauvreté. Pour enlever en toi ce manteau de la sorcellerie. Pour enlever en toi ce manteau de la méchanceté de ta vie. La Bible dit que Bartimée criait tellement fort. Les gens disent, tais-toi, Bartimée. Tais-toi, Bartimée. Tais-toi. Et Jésus l'a appelé. Alléluia. Bartimée a eu sa délivrance. Comme la femme qui est périssante durant 12 ans. Comme la veuve de Naïm. Jésus l'a sauvé. Frères et sœurs, Jésus est bon pour nous. Nous prêchons l'évangile. Vous sachez que Jésus est doux pour nous. C'est lui qui nous donne la vie. C'est lui qui nous donne la paix du cœur. C'est Jésus qui nous restaure. Ce n'est pas moi, le pasteur Ménignan, mais c'est Jésus qui te donne la vie. De la manière il a sauvé Bartimée, de la manière il a guéri Bartimée, de la manière il a libéré Bartimée du joug de la malédiction, de ce manteau de la poisse, ce manteau de la sorcellerie. Bartimée a été sauvé. Frères et sœurs, amis, ce message est très bon pour vous. Il y a une victoire pour toi. Il y a une victoire pour toi. Les malédictions familiales, par le nom de Jésus-Christ, vont disparaître. Les maisons familiales, par le nom de Jésus-Christ, vont partir parce que Jésus est avec toi. Alléluia. 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 Partagez ce message. Partagez ce message. Partagez ce message. Donnez vos commentaires. Donnez vos commentaires. Amenez des fleurs. Amenez beaucoup de choses. Amenez vos sujets de prière. Jésus est avec vous. Et Jésus peut changer votre histoire. Jésus peut changer votre destinée. La Bible dit que, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Mon frère et ma soeur, tu as ton ennemi auprès de toi. Mais Dieu dit avec lui, tu feras des exploits et tu écraseras ton ennemi. Tu écraseras ton ennemi. Alors je voudrais prier pour toi, mon frère. Toi qui es sur le manteau de la pauvreté. Toi qui es sur le manteau de la sorcellerie. Toi qui es sur le manteau du chômage et des blocages. Toi qui es sur le manteau, oui, n'est-ce pas, du retard. Toi qui es sur le manteau, n'est-ce pas, de la sorcellerie. Je vais prier pour toi, pour te dire qu'en cette année, ton miracle est possible. En cette année, ton miracle est possible. De la manière dont Bartimée a été sauvé, a été délivré, toi aussi, ton miracle est possible. Toi aussi, ton miracle est possible. Alors, je prie que tout manteau de la sorcellerie de ta vie s'enlève maintenant et dégage maintenant au nom de Christ. Je prie tout manteau du célibat de ta vie, quitte maintenant au nom du Christ. Je prie que tout manteau de la pauvreté, de la misère qui te bloque à la même place, part maintenant au nom du Christ. Je prie que toutes œuvres de la sorcellerie familiale de ta vie soient ôtées au nom du Christ. Et je proclame maintenant la richesse de ta vie. Je proclame maintenant le mariage. Je proclame maintenant l'abondance. Je proclame maintenant, oui, le mariage, le succès à tous égards. Alléluia. Tu es né pour la grandeur. Tu es né pour l'élévation. Tu es né pour la prospérité. Et ta vie ne s'arrêtera pas dans le chômage. Ta vie ne s'arrêtera pas dans le chômage ni la mendicité. Et ta vie sera sauvée par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est tout pour toi. Alléluia, alléluia, alléluia. De la manière Bartimée a été sauvé, mon frère, ma soeur. Toi aussi, Jésus est là pour te sauver. Jésus est là pour te restaurer. Jésus est là pour te bénir. Et Jésus est là pour te fortifier. Et Jésus t'aime. Alléluia, alléluia. Si ce message t'a plu, partage ce message. Donne un commentaire. Et Dieu changera ta vie. Et Dieu te bénira au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Tout genou fléchira.
toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Alléluia. La même référence dans Zacharie 3, versets 1 à 5, il avait dit que Josué était couvert d'un habit sale. Alléluia. Zacharie 3, versets 1 à 5. Josué était couvert d'un habit sale. Et l'ange est venu dire à Josué, ôtez-lui ce manteau sale et mettez en lui un ruban d'or. Mettez à lui un habit nouveau. Mon frère et ma soeur, tu peux être sous le fléau satanique. Tu peux mettre en toi le manteau de la pauvreté, il a dit. Le manteau du chômage, le manteau de la sorcellerie. Mais il faut qu'un ange de Dieu vienne ôter en toi ce manteau. Je brise le manteau de la sorcellerie. Je brise le manteau de la mendicité. Je brise le manteau du célibat. Et je déclare la vie dans ton corps au nom suprême de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Béni sois-tu Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui donnes la vie. Toi qui sauves tes enfants. Toi qui restes en Jésus-Christ. Merci. De la manière dont tu as sauvé Bartimée, sauve tes enfants. De la manière dont tu as délivré Bartimée, délie tes enfants. De la manière dont tu as guéri Bartimée de la cécité, oh Seigneur, sauve tes enfants. Père, je bénis ton nom parce que tu le fais. Que la gloire et l'honneur te révèlent, Jésus-Christ. S'il y a un homme pour prier, et une femme pour prier, qui se met à la brèche pour prier, c'est qu'il y a un Dieu pour exaucer. Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Paix et joie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et que la faveur de Dieu soit sur votre vie et que la main du Seigneur soit sur votre vie. Bénis le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il ôte en toi le manteau de la sécheresse. J'ai béni le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il ôte en toi le manteau de la mendicité. J'ai béni le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il ôte en toi le manteau de la sorcellerie. J'ai béni le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il ôte en toi le manteau de la mort précoce. Seigneur, sauve tes enfants. Jésus, délie tes enfants. Seigneur, nous avons besoin de toi, Jésus-Christ, pour nous soulager, pour nous bénir. Il a déclaré que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. En fait, que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Le christianisme est une religion d'amour, de paix, de bonheur et de partage et de cohésion. Et c'est pour ça que Jésus-Christ a eu Bartimée, il a eu compassion de Bartimée. Il a sauvé, il a délivré. Aujourd'hui, Bartimée est sauvé. Alléluia. Aujourd'hui, Bartimée peut se marier. Aujourd'hui, Bartimée peut travailler. Aujourd'hui, Bartimée peut aller de l'avant parce que Jésus est rentré dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Jésus est Seigneur. 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 Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu changes la vie et tu bénis tes enfants. Gloire et honneur te reviennent au nom suprême de Jésus-Christ. Oui, frères et sœurs, partagez ce message. Faites assez de commentaires, amenez aussi de prières. Et le Seigneur vous changera votre vie au nom de Jésus-Christ. Amen.